Ce soir, au menu, une soupe aux lentilles. Ça a l'air comme ça, compliqué, mais c'est tout simple. Alors, il faut. On peut prendre des lentilles vertes ou des lentilles brunes. Bon, moi, je prends, j'ai des lentilles vertes qui viennent du Berry, qui sont très très bonnes. Donc, je vais me servir de ça. Je vais avoir besoin d'un oignon que j'ai pelé. J'ai une barquette de petits lardons parce que c'est plus simple que mettre une tranche de lard. Voilà, une barquette de petits oignons. Là, j'ai ma grande branche de laurier, donc j'en ai pris la moitié d'une feuille. Et j'ai ma grande branche de romarin, et là, j'en ai pris une petite branche. Donc, dans le tiers de ma cocotte minute en eau, je mets. Alors, je vais mettre à peu près. Là, j'ai un peu. C'est un sac de 500, donc. On peut prendre aussi des lentilles brunes, hein. On peut prendre des lentilles plus grosses, moi, c'est celle que j'ai. Donc je vais mesurer, ça c'est un verre à moutarde. Alors je vais mettre un verre. Voilà. Deux verres à moutarde, mon oignon que je vais couper en deux, tout simplement, mes petits lardons, ma demi-feuille de laurier, mon petit bout de romarin, et je vais mettre cuire. Et c'est tout simple, et on va laisser cuire jusqu'à ce qu'elle soit bien, bien, bien prise. Voilà. À la cocotte minute, je vais laisser cuire. Quand ma cocotte minute va commencer à tourner, je vais laisser un petit quart d'heure à peu près de cuisson pour que ça soit bien. Faire tremper les lentilles la veille. Alors à ce moment-là, on met les lentilles dans un récipient, on met de l'eau et on les laisse tremper par exemple une nuit. Mais bon, là, pour faire du potage, ça, c'est pas utile, hein. Là, on va les laisser bien cuire tranquillement. Elles vont partir, elles vont se. Voilà. Notre soupe bien cuite. J'ai enlevé la feuille de laurier et le petit bout de thym pour pas que ça fasse quelque chose qui pique. Et il suffit de tout passer. Fait. Voilà, en soupe. Il ne reste plus qu'à saler un petit peu si c'est pas suffisamment salé. Et puis voilà. Rajouter un petit peu de crème si on veut. Voilà, la soupe est terminée. Et ben, la soupe aux lentilles est finie. Donc il n'y a plus qu'à se mettre à table. À la prochaine recette.